La formule de Héron qui nous parle de l'aire d'un triangle dont les côtés mesurent A, B et C, c'est racine de P, facteur de P moins A, facteur de P moins B, facteur de P moins C. Avec P, le semi-périmètre, A plus B plus C divisé par 2. Voilà, ça fait 2000 ans que cette formule existe, et peut-être plus parce qu'il fallait qu'Archimède l'aurait démontré. On va vous donner une démonstration, pas celle de Héron bien sûr. Comment faire pour prouver cela? Alors, on va voir d'abord si on remplace P par ça, à quoi cette formule est équivalente. A égale racine 2, P c'est A plus B plus C sur 2, fois P moins A, c'est B plus C moins A sur 2, vérifier. P moins B, c'est A moins B plus C sur 2. Et P moins C, c'est A plus B moins C sur 2. Voilà. Je répète, vous pouvez vérifier que P moins A, c'est exactement ça. En soustrayant de A plus B sur C plus C sur 2 moins A. Bien. Après ce petit tour de force que je vous laisse exercer, on va grouper ici divers numérateurs. Bien sûr, en bas, racine de 2 fois 2 fois 2 fois 2, on va dire 1 sur 4. D'accord? Parce que 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça fait 16. Racine de 16, ça fait 4. Il reste la racine de tout ce qui est au numérateur. Comment les grouper? A plus B plus C, ça irait très bien avec A plus B moins C. Vous voyez pourquoi? A plus B plus C fois A plus B moins C. D'accord? Et puis, les deux autres, même astuce. La B moins B, là il y a A moins A. C, c'est le même signe positif. Je vais dire C plus B moins A. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, C moins B moins A. Ça, c'est le deuxième. C moins B moins moins A. Ça fait plus A. Vérifiez que ces facteurs sont ceux-ci écrits de cette façon. Mais pourquoi? Pourquoi je vous l'écris comme ça? Est-ce que vous sentez quelque chose? A plus B plus C, A plus B moins C. Mais bien sûr, c'est le produit de la somme par la différence. Ce qui nous donne A plus B au carré moins C carré. Ça, c'est pour le premier produit. Et pour le deuxième, C plus ça, C moins ça. Ce qui fait C au carré moins B moins A au carré. Bien, qui est égal, on y va, 1 quart racine 2, son effet A carré plus B carré plus 2AB moins C carré, et puis l'autre, C carré moins B carré moins A carré plus 2AB. Voilà. Et bien sûr, ce qui est très important, c'est d'utiliser la loi de cosinus. Quelle est la loi de cosinus? La loi de cosinus dit par exemple que C carré égale A carré plus B carré moins 2AB cosinus de l'angle C. Ça, c'est pour utiliser ici. On appelle la loi de cosinus ou théorème de Pythagore généralisé ou le théorème d'Al-Kashi. Et ici, bien sûr, qu'on va utiliser la même chose, C carré égale A carré plus B carré moins 2AB cosinus de C. On y va. Et on va remplacer partout C carré par cela. Qu'est-ce que ça donne? Déjà ici, ce qui nous fait 1 quart, racine 2, A plus A carré plus B carré moins C carré, A carré plus B carré
moins C carré, c'est égal, bien sûr, à 2AB cos C. Donc A carré plus B carré moins C carré égale 2AB cos C. Et je n'oublie pas d'additionner 2AB. Et l'autre, C carré moins B carré moins A carré, ça fait moins 2AB cos C. Et n'oublie pas 2AB. Bien. Égal 1 quart. Ici, il n'y a pas de moins, c'est 1 quart. Racine 2. Rebelote A plus B fois A moins B. De nouveau, le produit de la somme par la différence. Ça fait 4A carré B carré moins 4A carré B carré cosinus carré de C. Bien. Qui est égal, qu'est-ce qu'on peut mettre en facteur, 4a carré b carré, racine de 4a carré b carré, ça fait 2ab, sur 4, racine de, qu'est-ce qui reste ici, en mettant en facteur 4a carré b carré, il reste 1 moins cosinus carré de c, qui est égal, ici ça simplifie, ça fait ab sur 2, et bien sûr que tout le monde connaît que sinus carré de x plus cosinus carré de x égale 1. Du coup, cos carré de x, c'est 1 moins cos carré de x, c'est que sinus carré de x. Donc, là, ça donne sinus de c. Évidemment, c'est des angles positifs. Sinus de c donne un nombre positif ici. Aucun problème. Mais est-ce qu'on connaît l'aire d'un triangle qui est égal à AB sinus c sur 2? Bien sûr. C'est une autre formule qu'on peut démontrer dans une autre vidéo. Du coup, si on connaît que l'aire d'un triangle est égal au produit de deux côtés fois le sinus de l'angle opposé divisé par 2, alors la formule de Héron vient d'être démontrée. La formule de Héron qui est égale ici et qu'on a démontrée par des équivalences successives.